Au parc. Histoire de Lila. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors, je vais vous raconter une autre histoire de Lila. Alors, cette fois, c'est au parc. Lila avec son ami Elio. Allons-y. Au parc, écoutez bien. Essayez de me suivre. Non. Elio, dit maman, tu ne vas pas au parc tout seul. Mais Lila sera là. J'ai dit non, répète maman. Elio n'est pas content. Sa maman ne le regarde pas et le parc est à côté. Juste une minute, se dit Elio et il file. Dans le parc, Lila joue avec son tracteur. Il dit, je tourne la clé de contact. Monte, Elio. Tu n'as pas le trac. Non, assure Elio. Va ouvrir la clôture, ordonne Lila. Elio voit une forme sous un arbre. Il crie, un ours, un ours. N'aie pas peur, dit Lila. Je suis là. Mais la forme sous l'arbre est la maman d'Elio. Elle est très en colère. Elle ordonne, tu rentres, Elio, vite. Alors, encore une fois. Au parc. Non, Elio, dit maman. Tu ne vas pas au parc tout seul. Mais Lila sera là. J'ai dit non, répète maman. Elio n'est pas content. Sa maman ne le regarde pas. Et le parc est à côté. Juste une minute, se dit Elio. Il file. Dans le parc, Elio joue avec son tracteur. Elle dit, je tourne la clé de contact. Monte, Elio. Tu n'as pas le trac. Non, assure Elio. Va ouvrir la clôture, ordonne Lila. Elio voit une forme sous un arbre. Il crie. Un ours, un ours. N'aie pas peur, dit Lila. Je suis là. Mais la forme sous l'arbre est la maman d'Elio. Elle est très en colère. Elle ordonne. Tu rentres, Elio, vite. Alors, vous avez bien compris maintenant l'histoire. Voici donc les questions. Oral, la prudence. Compréhension et débat. Qu'est-ce qu'Elio veut faire? Qui est dans le parc quand Elio arrive? Pourquoi la maman d'Elio est-elle très en colère? À ton avis, pourquoi ne veut-il pas aller au parc tout seul? Quatre questions à répondre. Qu'est-ce qu'Elio veut faire? Qui est donc le parc quand Elio arrive? Pourquoi la maman d'Elio est-elle très en colère? À ton avis, pourquoi ne faut-il pas aller au parc tout seul? Quatre questions. Je vous laisse bien sûr réfléchir. Et après, on va répondre. Histoire de Lila. Est-ce que vous avez bien compris l'histoire? Et vous avez bien compris les questions? Maintenant, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'Elio veut faire? Non, Elio, dit maman. Tu ne vas pas au parc tout seul.
Mais Lila sera là. J'ai dit non, répète maman. Elio n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'Elio veut faire? Il veut tout simplement aller au parc tout seul. Alors on continue. J'ai dit non, répète maman. Elio n'est pas content. Sa maman ne le regarde pas et le parc est à côté. Juste une minute, se dit Elio. Et il file dans le parc. Lila joue avec son tracteur. Elle dit. Je tourne la clé de contact, monte Elio, tu n'es pas le trac. Non, assure Elio. Va ouvrir la clôture, ordonne Lila. Elio voit une forme sous un arbre, il crie. Un ours! Alors, qui est dans le parc quand il lui arrive? Qui est dans le parc quand il lui arrive? Alors, c'est bien sûr son ami Lila. Lila est dans le parc quand Elio arrive. Quand Elio arrive, Lila est dans le parc. On continue. N'aie pas peur, dit Lila. Je suis là. Mais la forme sous l'arbre est la maman d'Elio. Elle est très en colère. Elle ordonne. Tu rentres, Elio, vite. Alors pourquoi la maman d'Elio est-elle très en colère? Car, tout simplement, alors la maman d'Elio est en colère car Elio n'écoute pas sa maman. Il file dans le parc sans savoir. Elio est allé au parc tout seul. Et la maman est en colère. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette histoire vous a bien appréciée. Alors rendez-vous donc la prochaine séance d'histoire de Lila. On va voir une autre histoire, c'est Vive la cantine. Vive la cantine. Alors c'est tout pour le moment et à la prochaine.